Attends, j'avais mis quelque chose de... Cassette dans ma, mon truc, tu prends. Non, mais je mets les crochets là, toi, Mira. Tu mets les crochets derrière ces panneaux-là, c'est tout là, hein, tu ne le mets pas. Oui, bien sûr. Là, voilà, c'est bien, c'est le sens là. Bon, c'est le plus vite, puis peut-être que c'est bien dans les comme le propre des garages. Qu'est-ce qu'il faut avoir de quoi ça, ça sera plus là, ça. Stéphane, quoi? Il reste là ce... Non, 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 il vire, lui. Écoute, pour le moment, on l'a en position, tu prends tes repères au sol, et deux petits coups de feutre, je le tiens. Vous allez positionner où alors? Sur la poutre grise? Hein, Jean-François? Vas-y encore, moi je suis... Là, je suis là. Ouais. Faut le suivre, hein. Ça fait trois positions. Ok, ça c'est la position centrale. Et tu fais un à 20 à gauche, une position 20 à droite. Ah bon, ça donne trois positions, ouais, s'il y a besoin. Voilà, ça j'appuie ça. 20 à gauche, 20 à droite. Je te mets tout ça là alors. Donc voilà. Donc voilà, et à chaque fois, ça correspond à une cassette que tu notes. Donc à la fin, tu obtiens ça. Ils font que te poser des problèmes. C'est à moi que je pose les problèmes, toi tu me proposes des solutions. Si ça devient l'inverse, ça, c'est moi qui mets la solution. Théoriquement, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Comment ça? Théoriquement, moi je suis embauché comme décorateur au départ. Ouais. Donc au départ, moi je pensais que j'allais arriver ici, tu sais, décorateur. Faut faire ci, faut faire ça. Ah ouais. Et finalement, je fais pas ça. Hein? Enfin, certains salissent les doigts. Ouais, certains, oui. Ouais, ouais, pas beaucoup. Et il enregistre un peu, il se raconte pas les ennuis que ça va nous faire. Ça. Allez, décidons d'être. Oh, T'as besoin d'un déo là? Non, mais il faut me tutorer les feuilles parce qu'il est programmé sur un échelle. C'est risqué? Alors, on va faire le parce que c'est mon sport, je suis partout. Ah, mais je croyais que c'était un compact à Stéphane, non? Ouais, voilà, tu vois, mauvaise langue. On les a vus ce matin aussi. Faut compter les radiations. Yeah.
ça veut rien dire. C'est comme la lime à épaissir. Je peux assister en direct à la préparation de tous les midis qui démarrera demain. Delphine Parivillac vient d'arriver, elle vient de finir de déjeuner, elle a beaucoup bu, paraît-il. Je m'étonne. Et puis du gigondas et... Elle a mangé du gigondas, du gigot, je ne connais pas. Du gigondas. Voilà. Et du magret de canard chez des amis. Voilà, du magret de canard. Ouais. Donc elle est très en forme. Il est 4h10, elle a fini de manger il y a une demi-heure, pour te dire. Voilà. Bravo Delphine. Attends, j'avais mis quelque chose de... Tu voulais quoi, Eva? Tu veux la faire tourner là? Ça prend un moment, je crois que... Tout est possible. Tout est possible. Tout peut arriver, d'accord? Paix. Fait. Mais arrête de sourire bêtement. C'est vrai qu'on a dit film. Bien sûr, j'ai pas vu ce film, vraiment. Bah écoute. Ça fait combien? Tiens, elle est où, Mimi? Je vais donner à Mimi, moi. Mimi, elle s'est pas tapée. Non, comment ça, elle s'est pas tapée, Mimi? Mais si. Avec Christophe Lafay. Il essaye de... Avec 4 ans, est-ce qu'ils ont des endroits? Ouais, mais les micros, ils marchent. Il y a une équipe des FR3 qui est venue filmer. Est-ce qu'il y a la bande-annonce cinéma? Ils sont deux. Est-ce qu'il y a la bande-annonce cinéma? Et ils sont beaux. Ils sont tous habillés en rond. Je vais mettre une cravate. Tu veux une cravate? Un programme de développement social. Tout le monde sur le public, allez, hop. Jean-Michel, Dominique Blanchard. Non. Tu te rejoins tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. J'ai une porte à poster, c'est pour les applaudissements. 1, 2, 3. Ouais. On commence l'émission comme ça. Alors, et moi je sais dans le public, je fais un peu le. Gérald ? Oui ? Bien sûr, Dominique. Fred ? Merde. C'est qu'un micro, je il faut qu'on garde. Est-ce qu'on m'entend avec ça? Tu mets le générique en finale. Oui, bien sûr. En fait, j'avais mis juste pour moi avec le moniteur. Tu mets le moniteur aussi. Tu pars bien à gauche et après tu reviens à ce moment. Top, ouais, elle est partie. Tu vas revenir en régie. En régie sur le chef. On passe en régie. En régie sur le générique. Une seconde générique. Le générique. Le générique est où? Dans 3, on revient en régie. Dans sur le 1. Le 3. Le 3. On revient en régie. On y va là. Top. Il y a un décalage. Attends, c'est lequel? Vas-y, oh. On y est, je calme. Attention, retour. Tu rentres sur quoi, sur la 4? Il faut en retour. Tu rentres sur la 4, oui. Bonjour. 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 Bonjour.
chaque jour, du lundi au vendredi à midi précisément, vous l'avez compris, avec de nombreux invités, de nombreuses rubriques. Nous aurons l'occasion d'en parler tout au long de cette émission, mais la journée d'aujourd'hui est une journée un petit peu spéciale puisque c'est le lancement d'une nouvelle grille de rentrée sur TLM, des nouveaux programmes. Donc tous les animateurs vont venir dans cette émission nous parler de leurs émissions, nous fixer des rendez-vous, et puis tous les journalistes de la chaîne également, les correspondants qui sont dans les quartiers et qui viendront vous parler chaque jour de ce qui se passe chez vous. Alors tout de suite, nous allons enchaîner avec le journal. Chaque jour, vous devrez vous y habituer, ce sera quelques minutes après le générique, l'essentiel de l'actualité avec l'émission. Attention, le 2. Oui, c'est la rentrée aujourd'hui pour les étudiants du centre de formation professionnelle des métiers de l'industrie de Lyon. Les nouveaux bâtiments de l'avenue Berthelot sont tout juste terminés. Le centre de formation accueillera 250 stagiaires. Une quarantaine de Lyonnais de l'association Interprofessionnels Collectifs ont quitté Lyon ce week-end en direction de la Yougoslavie. Ils espèrent atteindre demain le camp de Rabinka pour y décharger leur cargaison de vivres, de vêtements, mais aussi des procédés à une vaste campagne de vaccination des programmes de développement social du quartier, plus connu sous le nom de DSQ. Les autres dossiers porteront notamment sur l'urbanisme. Enfin, en sport, à retenir ce week-end la première victoire de l'OL en football, c'était face à Montpellier, et les bons débuts de Vénitieux dans la Coupe d'Europe de handball. Enfin, sourire également pour Lionel Roux, le jeune tennisman du TC La Pave, a remporté ce week-end le tournoi de Singapour. Rendez-vous, comme vous l'a dit Frédéric, à 12h30 pour le journal. Mais tout de suite, un coup d'œil sur la météo pour cet après-midi. Hein ? Allô ? Il ne colle pas. L'idée, c'est que les correspondants habitent dans les quartiers qu'ils couvrent. Bien sûr, vous allez tous les connaître d'ici peu de temps. Parce que ils viendront vous voir, ils viendront se présenter à vous, vous les verrez dans des manifestations. Donc vous allez finir par posséder leur physionomie. Et si vous avez des informations à leur donner, bien, la première chose qu'à faire, c'est de les appeler. Mais comme vous ne les êtes pas encore fait. Est-ce que Brice est sur ton plateau ? Ah oui. Je t'entends pas sur la 4. S'il vous plaît. Attention, 10 secondes pour le générique. On revient directement sur le plateau, pardon. Surveillant. On est sur le plateau. Retour. Bonjour, il est 18h et à partir d'aujourd'hui, du lundi Est-ce qu'on a le générique du flash? Non, non. Et que tout peut réellement arriver. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve dans quelques instants après le flash info présenté par Laurent Guisset. À tout. Attention, Laurent. Il faudra se serrer la ceinture. C'est en résumé le message adressé cet après-midi par le président du Conseil Général, Michel Mercier. Tout peut arriver, c'est une émission en direct et en public, comme vous l'entendez, c'est tous les jours. Le contenu de cette émission, eh bien, il sera très varié. On aura des rubriques, rubriques BD, vidéo, cinéma, polar. Le prochain sujet, c'est un extrait, c'est marqué, c'est des sous-groupes. Ils ont également des groupes. Générique. Qu'est-ce qu'on entend avec ça? Tu mets générique en fait. Bien sûr, en fait, j'avais vu.